Aujourd'hui, je vous propose un plat typiquement des Alpes russes, un rigatoni à la gliche, puis qui est devenu un plat typiquement romain. Alors, nous avons des rigatoni, guanciale, pecorino romano, tout simplement. On va commencer à mettre vers le pain, le cuir al dente, très très al dente. On va faire cuire le guanciale, sans graisse évidemment, à feu doux, 2-3 minutes. Maintenant tout le bien à feu doux. Bien, si vous avez le temps, comme moi, vous les retournez délicatement à feu doux et bien faire dorer. C'est bien doré le feu. Alors, on va réserver. On va mettre les pâtes, très al dente, un peu de cuisson. Je prépare une recette. Alors, un peu d'eau des pâtes. Les pâtes, je les épuise très al dente. L'amidon de pâte va donner l'onctuosité de la crème. Ça va? Je vais y mettre la moitié du guanciale. Bien poivré. Hors feu, hors du feu, abondamment de pecorino romano. Le reste du guanciale. Alors maintenant, abondamment de pecorino romano. Rigatoni alla gricia.